Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu totalement what the fuck. Et ouais, aujourd'hui c'est Moment de Child ensemble. Total Child, c'est détente, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc j'ai décidé de vous faire découvrir un jeu super cool. Voilà, vous le voyez devant vous, c'est Drunk Food Wasted Master. Donc jeu full English, attention warning hein, pour tous ceux qui parlent pas anglais. Mais là on s'en bat les steaks clairement parce que c'est un jeu totalement bourrin. Aujourd'hui c'est détente, j'ai pas envie de me prendre la tête, je le redis. Et j'ai dit allez hop, c'est parti. Donc le jeu, j'annonce la base, il est à 10 balles sur l'eShop. Je l'ai pris parce que voilà, je voulais me détendre, je voulais me marrer. Là, je le fais tout seul. À la base, j'aurais dû le faire avec le Droid Geek, mais il est pas disponible. J'aurais pu le faire avec des potes, mais ils sont pas disponibles non plus à cause du travail et tout ça. Enfin bref, hein. C'est des trucs IRL. Sinon, le jeu, il est sur Nintendo Switch. La date de publication, c'est le 10/1/2020. Classe d'âge, donc PEGI 12, attention. Avec les manettes, on peut y jouer avec les joysticks ou le Pro Controller. Langage, full English only. Donc, cherchez pas le français, il y en a pas. Et tous ceux qui comprennent pas, bah sinon, passez votre chemin si vous voulez pas aller plus loin. Et la taille installée sur ma Nintendo Switch est de 823 mo. Pour poser les bases, Drunk Fu Western Master est un jeu de combat basé sur la physique rire maniaque pour les ragdoll fou totalement. Donc tu peux y jouer en ligne aussi hein. Allez, c'est parti. Bon, hein, je vais vous mettre un petit peu. Donc là, comme on peut le voir, play local, play online et setting. Donc dans les settings, il n'y a pas grand chose hein. On va pas passer 2 heures dessus. Nous, on va jouer en ligne. Bon, on va pas jouer online justement, on va jouer en local. Donc voilà, hop, là on peut voir le joli monsieur. Donc là, c'est pour changer les skins, tout simplement. Et nous, on va prendre ce personnage-là. On va le garder, je sais pas, on va le mettre truc marrant. Non, pas ça. Tiens, on va le mettre en couleur Hulk. Allez, c'est y part. On y va. Hop, hop. Et voilà, donc c'est vraiment... Donc voilà les bases de la commande. Punch, jump, roll, run, raise arm, crunch, dodge, move. Ok, donc ça, il faut déjà se les mettre dans le crâne. Donc là, comme c'est la première fois que je lance le jeu, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. On va jouer pour le fun. C'est Child aujourd'hui. Allez, c'est Tipa. Donc là, on a un timer en haut. Là, j'ai mon bonhomme. Donc il y a plein de jeux comme ça qui sont aussi disponibles sur, sur Android. Ouais, d'accord, super. Hop, là, j'attends que mon personnage arrive. Donc là, j'ai un truc dans la main. J'ai une sorte de clé à griffe. Allez hop, je me casse. Bah, donc là, je lui ai mis quelques points dans sa race et du coup, bah, il a perdu 8%. Donc les pourcentages, ça fait penser un peu à Super Smash Bros. Là, j'aimerais bien qu'il se pointe, le mec. Oh, j'ai carrément une grosse clé. Bon, j'ai... Voilà. Là, c'est... Parce qu'il est tombé plusieurs fois. Du coup, j'ai gagné assez facilement. Donc, fausse game, évidemment. Après, est-ce que le jeu vaut 10 balles, personnellement non. Voilà. Mais bah, là, je voulais vous présenter ça. Je me suis dit, hop. Bon, bah, je joue comme une merde. Ouais, c'est pas très passionnant là hein. Ok, donc on apprend à nager tous les deux. Donc je pense qu'avec des potes, là j'apprends à nager tout seul en fait. Et je suis gagnant, d'accord. Ah, c'est vraiment des parties de merde là. Allez, c'est parti, on se refait une petite battle, on va voir. Oula. Voilà, je lui ai mis un punch. Oula. Voilà, allez hop. Ah, je meurs. Alors que j'étais en train de gagner. Hop, il a une batte de baseball le Lascar. Ah, direct. Allez, casse-toi. Non, sauvez Willy. Bon, je pense qu'avec des potes, bah après voilà, en soirée, tu dois mort éclater. Voilà. Ouah, je fais des jumps, hop, super, j'apprends à voler. Ah d'accord, bah là, pas tout le temps être gagnant. Donc au niveau du jump, c'est super intéressant. Tu fais un jump, paf, tu lui envoies une... Ce qu'il faut dans la race, t'es tranquille. Hop. Allez, viens par là. Oh là là. Et il me suit carrément dans la flotte. Hop, on y va. On va aller chercher. Oh, c'est archi dur à manier. Mais tous ces jeux-là, ils sont archi durs à manier de toute façon. C'est une vraie galère. Donc là, au niveau de la maniabilité, on l'a vu hein, dans les commandes. D'accord, mais viens par là. Hop, hop. Voilà, il y a Makassi. Non, 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 reviens. Pff, ouah, je suis complètement barré là. Pas mal de petits trampolines. Hop, allez, casse-toi. Va dans l'eau, va apprendre à nager. Et voilà, je suis gagnant. Hop, on passe. Donc voilà, c'est des matchs assez rapides, assez fun. Bon, du coup, quand t'es contre l'IA, c'est moins fun. Mais quand t'es avec ton pote, tu peux te mettre bonne masto sur la gueule. Donc c'est super intéressant. Voilà, bah, c'est ce que je cherchais. Hop, un petit jump.
Oh, je me suis auto-brûlé. Oh, le boulet. Un bullet time, là. Voilà. Là, si je pouvais le prendre dans un coin et le descendre. Allez, hop, il est mort. Pouf, je crois que j'ai gagné, là. Hein. Je sais pas où il est, mais... Oh là là, il s'est brûlé tout seul. Bon, ouais, super. Hop. Non, j'ai pas me brûler. Allez, viens par là. Non, 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 casse-toi. Oh là là, le boulet. Non, mais vous avez vu ça? Faut vraiment être con. Donc, évidemment, hein, c'est pas conseillé pour les petits enfants, tout simplement. Mais ouais, pour les grands, c'est pas mal. Hop. Voilà, nickel. Donc vous avez compris le principe du jeu, hein, tout simplement. Là, je vais continuer, je vais en faire quelques-unes avec vous. Mais voilà. Et du coup, ce que j'aime bien, hein, c'est que t'as pas besoin de réfléchir. Au niveau des commandes, bah, ça va venir avec le temps. Hop. Hop. Donc la roulade, hop. Allez, c'est moi qui prends, là, ou c'est lui? Ah, on est avec Zeko. Voilà. Hop. Bon, ça va, il y a des vibrations sur la mètre, mais c'est pas méchant. Allez, casse-toi, tiens, tiens. Mega jump de la mort. Allez, pam! Casse-toi! T'apprends à nager? Oh, purée. Bon, ça, c'est dommage. Oh, c'est archi dur, là. Allez, pas! Oh là, je l'envoie dans sa. Oh là, c'est moi qui a pris cher là. Elle vient par là. Maintenant, j'ai un arbre. Super. Non, 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 viens par là. Ah, nickel. Ouais, j'adore. Ah, ouais, franchement, il faut que je le fasse avec le droïde geek. Je pense qu'on refera une vidéo certainement en ligne pour discuter avec vous. Hein. Voilà. Allez, hop! Ah, c'est un rock-kill, hein. Et voilà, c'est terminé. Bon, ça, un petit dernier là, ensemble, et après je vous laisse. On va pas revenir dessus, hein. Voilà, tout ce qui est sound design, le gameplay et tout, vous avez compris. Là, c'est le challenge, c'est prenez-le si vous avez 10 balles à perdre. Moi, personnellement, je l'ai pris. Mais voilà, dès qu'il y a une promo et que vous voulez un petit jeu sympa pour vous défouler avec vos potes, vous le prenez. Après, il y a des jeux comme ça qui sont disponibles, hein, sur Android. Si vous en connaissez, laissez-les dans les commentaires. C'est un petit peu bruit, voilà. Bonjour, qu'est-ce que tu fais, Raymond? Allez, va par là. Pshh, je vais te larter les couilles. Pshh. Et voilà, allez, casse-toi. Hop, 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 mec, il a bu. Ils sont pas que deux. Ils sont pas que deux crocs. Allez, ah! Allez, je suis mort. Bon, c'est un peu moins bourrin que Super Smash Bros. Mais c'est pas la même licence non plus, hein, voilà. D'ailleurs, je l'ai même pas dit au niveau de la licence, je vais vous le dire après. Je vais même vous le dire now, là, tout de suite, là, faudrait que je me prenne une bonne brasse. Donc c'est publié par Rust Zero Game, voilà. Ouais, super, ah. Là, je fais un petit jump, il arrive d'où? Oh, le jump. Oula, 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 non, reviens, reviens, reviens. Oh. Ah, ah. Ah non, je vais pas pouvoir, moi j'aurais essayé. Malheureusement, non. Bon, vite fait, hein, niveau critique, côté design, voilà. Comme je vous dis, on est en 2020, on aimerait bien avoir un peu mieux sur Nintendo Switch, mais bon. On reste sur un jeu de l'eShop. C'est vraiment... Oh putain, je l'ai mis à côté. Bon, voilà. Donc, vous avez compris. C'était la vidéo Child pour se détendre entre nous. Hein. Ça évite de toujours avoir les mêmes vidéos critiques ou pas critiques. Je vous recommande pas. Là, c'était vraiment la vidéo pour se poser une fois, comme ça, dans le mois, c'est tranquille. Si vous aimez, bah, dites-le dans les commentaires. On en fera plus souvent. Ce genre de jeu-là, par contre, je vous préconise de le faire avec des poteaux parce que l'IA, voilà, c'est assez rébarbatif, on se fait chier. Au niveau du price, je le redis, bah là il a 10 balles, si vous l'avez moins cher, prenez-le. S'il a 10 balles, attendez un petit peu, il y a toujours des promos sur l'eShop, voilà. Donc je vous dis à la prochaine sur Regatta TV, je vous dis salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine
pour une nouvelle vidéo.